Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à la conférence du Master 2 SITFH de l'année 2022. Donc, nous sommes un master de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. En guise de précision, donc aujourd'hui, notre master donc, est spécialisé donc, en facteurs humains, mais également en sciences cognitives. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Océane, qui sera en co-animation avec moi. Donc, je suis Lisa. Et nous n'oublions pas, bien sûr, le reste de notre classe, donc nos 11 collègues qui sont présents en backup et qui assurent le bon fonctionnement de cette conférence. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous des intervenants qui vont pouvoir vous présenter donc, des thèmes qui nous sont chers au sein de ce master. Océane vous les présentera juste après, mais avant de commencer la conférence, nous tenions tout de même à faire un point avec vous concernant son déroulement. Donc, dans un premier temps, chacun des intervenants vous présentera son thème durant une vingtaine de minutes, qui sera suivi du coup de 10 minutes où vous pourrez poser vos questions, cher public. Et enfin, nous terminerons avec une table ronde où nous évoquerons du coup des thèmes avec nos deux intervenants. En guise de précision, pour poser vos questions, nous vous avons mis un lien en barre d'infos, mais également en commentaire. Donc, n'hésitez surtout pas à cliquer dessus. Au cas où, si vous voyez des questions que vous voulez poser, mais qui ont déjà été posées, n'hésitez surtout pas à voter pour qu'elles remontent à l'équipe technique plus rapidement. Enfin, si au cas où vous avez le moindre problème durant cette conférence, n'hésitez pas à contacter notre équipe technique via notre mail. Donc, je vous laisse dès lors avec Océane pour la suite de la conférence et je vous souhaite une agréable conférence. Donc, merci à tous d'être venus. Ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir partager ces domaines d'intérêt pour nous. Et je remercie d'ailleurs les deux intervenants qui ont décidé de venir aujourd'hui. Nous devions en avoir trois. Malheureusement, Rachid ne pourra pas se joindre à nous ce soir. Mais ça ne sera sans problème. On va avoir beaucoup de discussions à faire avec nos deux intervenants. Et d'ailleurs, à ce sujet, je me permets de vous présenter Lina Estelmi. Du coup, Lina, si tu veux nous rejoindre, on va commencer avec ta présentation. Donc, Lina Estelmi est là pour nous parler des interfaces cerveau-ordinateur et je vais la laisser se présenter elle-même. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci du coup, Lisa Océane, pour cette belle présentation et introduction. Alors oui, je suis Lina Estelle-Louis. Je suis actuellement en doctorat pour tout ce qui concerne l'ergonomie cognitive et plus précisément la charge mentale dans les interfaces cerveau-ordinateur. Donc, est-ce que je me présente avec les diapositives parce qu'il y a aussi une partie. Donc, je partage mon écran. Exact. Et vous allez voir que c'est une présentation interactive. Donc, on m'a parlé tout à l'heure de YouTube, etc. Donc là, c'est bien, vous voyez, je vous spoil en direct tout ce qui va se passer juste après. Donc, c'est vraiment très, très judicieux de ma part. Donc oui, aujourd'hui, on va parler de la charge mentale. C'est un concept qu'on entend énormément dans l'actualité, sur les réseaux sociaux ou alors même dans le domaine scientifique, vous allez le voir. Et on va s'intéresser à une technologie qui est en pleine expansion, mais qui existe depuis des décennies, les interfaces cerveau-ordinateur. Et c'est sûr aussi que vous l'avez déjà vu, que ce soit en tout cas dans tout ce qui est science-fiction. Alors du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, je peux me présenter à travers cette diapositive, où là actuellement, je suis en train de réaliser une thèse à CIFRE, donc financée par une entreprise qui s'appelle OnePoint, sur la charge mentale dans les interfaces cerveau-ordinateur. Et j'ai un parcours en entonnoir parce que j'ai commencé par une licence de psychologie. Ensuite, j'ai suivi par un master en ergonomie des interfaces humain-machine pour IHM. Et ensuite, là actuellement, je fais du coup une thèse en neuroergonomie dans les interfaces cerveau-ordinateur. Voilà. Alors on m'a dit que vous êtes sur YouTube, donc n'hésitez vraiment pas à utiliser la zone de commentaires pour cette première diapositive. On va parler vraiment du langage courant. Et je vous demande si vous avez déjà entendu parler de tout ce qui est interface cerveau-ordinateur, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux ou dans la fiction en général. Donc du coup, les filles, s'il y a des commentaires, vous me les dites à l'oral, comme ça, je saurai. Il n'y a pas de problème, tout à fait. Merci. Donc n'hésitez pas, il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous pouvez juste dire qu'est-ce que ça vous évoque, est-ce que vous avez des idées de ce que cela peut représenter les interfaces cerveau-ordinateur.
Donc c'est vrai que là, c'est le début, c'est un échauffement, mais ça fait guise de icebreaking, de icebreaker. Alors, vous me dites, hein? Oui. Alors, on a pour l'instant, je regarde sur Google, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok. Personnellement, pas du tout. Ok, trop bien. C'est un peu compliqué pour quelque chose d'extrêmement simple et qu'on a toutes et tous vu dans la fiction, la science-fiction même. Mais du coup, comme vous faites une recherche Internet, on peut la faire là tout de suite avec la conférence. Interface serveur-ordinateur, c'est juste un mot un peu scientifique pour dire que c'est une technologie, donc une interface, qui va relier directement le cerveau à une technologie. Donc du coup, le schéma vraiment global d'une interface cerveau-ordinateur, que j'abrège par ICO, c'est par exemple un casque EEG pour électroencéphalographie. C'est juste pour dire que c'est une technologie qui va mesurer l'activité électrique de notre cerveau. Par exemple, quand je vais penser à mon bras droit, cette technologie va récupérer les informations électriques en temps réel de notre cerveau, va traiter le signal. Et mon avatar, par exemple, dans un jeu vidéo, que ce soit en réalité virtuelle ou pas, va bouger son bras droit. Je parle de la réalité virtuelle pour faire une transition avec la présentation de tout à l'heure. Alors, justement, dans la fiction, elle s'est emparée des interfaces serveur-ordinateur depuis des années. Sûrement, vous connaissez la série Black Mirror, pour ne pas faire de pub à Netflix, mais à un moment donné, il y a un épisode qui présente justement ce bonnet EEG qu'on a vu dans la diapo précédente, où en fait, il y a un certain nombre d'électrodes qui sont posées à la surface de la tête et qui captent du coup l'activité électrique de notre cerveau, à savoir que notre cerveau est spatialisé. Par exemple, derrière la tête, au niveau du cerveau, il y a la zone qu'on appelle occipitale, donc qui gère tout ce qui est vision. Donc, quand je regarde à droite de l'écran, ce bonnet-là, cette technologie est capable de savoir en temps réel que j'ai regardé à droite. Et du coup, tout est spatialisé dans le cerveau. C'est pour ça qu'on va étaler ces électrodes à la surface de notre tête et on est capable, du coup, de mesurer en temps réel l'activité cérébrale, de la traiter et ensuite d'envoyer un feedback. Donc, un retour visuel à l'utilisateur. Toujours dans cette série, donc, il y avait cette représentation des interfaces cerveau-ordinateur avec électroencéphalographie, donc quelque chose qui existe réellement sur le terrain et dans le secteur médical. Et il y a aussi une représentation un peu plus moderne qui est en train de se développer et qui est en plein boom dans tout ce qui est neurotechnologie. Donc, cette représentation toujours d'un électroencéphalogramme, mais de manière portable. Donc, sûrement, vous reconnaissez cet épisode, si vous êtes fan inconditionnel comme moi de cette série de science-fiction. Toujours dans cette série de science-fiction, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle aussi de tout ce qui est interface cerveau-ordinateur à travers des puces cérébrales. Donc, on implante directement une puce dans le cerveau. Donc, il y a deux épisodes et il y a bien sûr des soulèvements éthiques qui se posent, donc notamment avec cet épisode toujours d'un implant cérébral sur les populations jeunes, voire des enfants. Donc voilà, vous connaissez maintenant la définition d'une interface cerveau-ordinateur. C'est juste du coup une technologie qui va relier directement le cerveau à un ordinateur, à un système technique. Hop. Une autre présentation dans la fiction, c'est Avatar 1, parce que je ne vais pas faire de spoil ou quoi, mais il y a le deuxième Avatar qui va sortir en fin d'année. Mais du coup, il y a une représentation aussi d'un autre type d'interface serveur-ordinateur qui est basée sur de l'imagerie par résonance magnétique, couramment appelée IRM. Et qu'on utilise énormément dans le secteur médical. C'est exactement une interface serveur-ordinateur, à savoir que les ICO, c'est juste une technique pour mesurer l'activité cérébrale en temps réel et d'avoir un retour. Vous vous souvenez de cette boucle-là. Mais les techniques pour mesurer l'activité cérébrale sont multiples. Ça peut être ce bonnet, avec, vous souvenez des électrodes, ça peut être la puce, qu'on implante directement, et ça peut être aussi l'imagerie par résonance magnétique. À savoir, avec cette technique, la précision est beaucoup plus fine qu'un EEG avec un bonnet.
La résolution spatiale est extrêmement fine. Et du coup, il y a cette représentation dans Avatar de l'IRM, designée de manière un peu plus futuriste, qui va permettre du coup aux protagonistes de piloter leur avatar bleu par la pensée. Donc, on est clairement dans une interface cerveau-ordinateur. Et de même dans Matrix aussi, avec cet extrait, où on voit Neo à gauche avec une interface cerveau-ordinateur qui va le permettre aussi d'entrer dans la Matrix. Voilà. Donc là, on a pu voir plusieurs représentations des interfaces cerveau-ordinateur. Pareil, en fait, je connaissais ces fictions sans savoir en fait, que ça utilisait les interfaces cerveau-ordinateur en fait, dans le scénario. Maintenant, si on prend un exemple qui est d'actualité, il y a énormément d'entreprises en fait, qui ont flairé ce boom pour les interfaces cerveau-ordinateur qu'on peut aussi appeler interface neuronale ou interface... Interface neuronale, oui. C'est un peu le mot le moins scientifique, parce qu'interface cerveau-ordinateur, à un moment, c'est un peu long à dire. Mais du coup, il y a énormément de recherches qui existent depuis vraiment le XXe siècle. Le secteur médical est en plein développement. Il y a énormément d'études sur ce sujet-là, à savoir que pour tout ce qui est EEG, donc un bonnet avec des électrodes, ça soulève des questions éthiques pour tout ce qui est appréhension des données cérébrales. Donc, un peu comme toute technologie avec le recueil d'informations. Mais là, dès qu'on touche au cerveau, c'est encore plus sensible. Mais dès qu'on rentre à l'intérieur du cerveau, du coup, un implant cérébral, à savoir, par exemple, l'illustration qu'on a vue avec Black Mirror, ça existe actuellement depuis les années 70, réellement. On est capable d'implanter une puce cérébrale directement chez les personnes, mais c'est cantonné uniquement dans le milieu médical. Donc, pour tout ce qui est tétraplégie, par exemple, ou la maladie de Parkinson, on implante une puce cérébrale, donc en fonction des cas, bien sûr, et de la gravité des cas, et on est capable, du coup, de piloter son environnement uniquement par la pensée pour les personnes, par exemple, qui sont atteintes de tétraplégie et qui ont, du coup, tout leur corps qui est paralysé. Dans l'actualité, d'ailleurs, c'est une actualité qui date de la semaine dernière, voire cette semaine, parce qu'il y a eu des soulèvements éthiques justement par rapport à cette technologie. Il y a Elon Musk qui a investi sur les interfaces cerveau-ordinateur en créant une entreprise, Neuralink, qui a pour objectif de développer un implant cérébral, donc d'être invasif, et de permettre du coup une plus grande indépendance des patientes et patients. Donc ça, c'est son objectif initial qu'il développe et qu'il précise au grand public. Après, voilà, on ne sait jamais les intentions réelles d'Elon Musk. Et voilà, là, il a fait une présentation justement de sa technologie Neuralink avec un singe, donc âme sensible, s'abstenir. C'est un macaque, du coup, qui va piloter par la pensée ce jeu vidéo. Donc là, il est en train de bouger les mains, mais c'est en fait pour obtenir par voie orale sa récompense qui est sous forme de banane liquide. Mais tout ce qu'il fait au niveau de l'interaction avec la machine se fait par la pensée, car on lui a implanté une puce cérébrale donc de Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk. Et c'est d'actualité parce que du coup, il y a eu des soulèvements fortement éthique de cette expérience sur les animaux. Voilà. Alors, en récapitulatif rapide, les interfaces cerveau-ordinateur, c'est juste une technique qui permet d'interagir le cerveau humain à une interface, du coup, technique. Il y a différentes techniques pour mesurer l'activité cérébrale. Ça peut être le bonnet EEG qui est le moins invasif d'un point de vue physiologique et aussi éthique. Ce bonnet-là, il peut être matérialisé de manière portable et on a vu aussi qu'il y a une autre technique comme l'IRM ou les implants.
Voilà, donc là, je vous résume juste aussi les différentes techniques. Alors, ça, je vais diminuer, super. Où en fait, je vous précise qu'il y a une panoplie pour mesurer l'activité cérébrale et que les principales, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Là, on voit en fait que le G, c'est quelque chose qui reste vraiment à la surface de la tête. Donc, c'est pour ça que d'un point de vue éthique, pour mener une expérience avec EEG, on a besoin d'un comité éthique, mais c'est assez rapide. Contrairement, du coup, à d'autres techniques comme l'IRM, plus on descend et plus, du coup, la barrière éthique, heureusement, est beaucoup plus lourde. Donc là, voilà, c'est des expériences qu'on a menées avec le CHU de Nantes et OnePoint en 2018, qui permettaient en fait d'utiliser les interfaces cerveau-ordinateur basées sur l'électroencéphalographie. Donc, vous voyez, là, on est en train de mettre le casque EEG et la personne pilote son avatar. Donc là, en fait, c'est un pré-test pour que la personne pense à sa main gauche et qu'on est capable, du coup, de valider la perception par la technologie de son intention d'action par la pensée. Voilà, c'est juste pour vous présenter le dispositif d'un point de vue réel, ce qu'on réalise dans la recherche actuellement. Et là, c'est pour vous montrer ce qu'on voit, nous, scientifiques, pour analyser les signaux EEG. Donc là, c'est pour vous montrer une vidéo en temps réel, ce qu'on voit quand la personne est sous un casque EEG. Alors, juste pour vous présenter aussi le contexte de mes recherches, donc je travaille avec OnePoint sur cette thèse CIFRE, où mon terrain expérimental est notamment le CHU de Nantes qui dispose de la technologie des interfaces cerveau-ordinateur. Et dans ce contexte-là, je bosse sur la charge mentale. Donc, en fait, c'est un contexte proposé par le CHU où, là, vous voyez, on retrouve cette boucle qu'on a évoquée tout à l'heure. La personne imagine, mais vraiment d'un point de vue uniquement de la pensée, ses mouvements. L'appareil, donc BCI, c'est pour interface cerveau-ordinateur, en anglais, brain computer interface. Donc, l'appareil enregistre les données cérébrales, traite le signal en temps réel et est capable de dire, OK, la personne a pensé à sa main gauche ou à sa main droite. Et du coup, là, vous voyez qu'il y a un retour visuel en temps réel. Donc là, en réalité virtuelle, mais ça peut être en 2D. Donc, vraiment, cette boucle des interfaces cerveau-ordinateur dite active, parce qu'il y a ce retour visuel. Donc là, je vous ai juste remis le schéma de départ. Et là, une petite vidéo où je présente le contexte. Donc, le contexte est présenté par mes collègues du CHU de Nantes. Donc là, vous voyez le casque. Réentraîner le cerveau ou faire de la neurorehabilitation à partir de ce qu'on appelle le neurofeedback, c'est-à-dire qu'on est capable de montrer au patient ce qu'il est en train d'imaginer en animant donc cet avatar virtuel. On ne sait pas forcément ce qu'on fait au niveau de son cerveau quand on imagine un mouvement, on ne sait pas si on le fait bien. Là, avec la technique des interfaces cerveau-ordinateur, on boucle. Ça veut dire qu'on a une intention et on voit se réaliser son intention dans l'environnement virtuel. Et ça lui permet de s'entraîner à activer un certain nombre de régions cérébrales qu'il n'a plus forcément la possibilité d'activer, par exemple lors d'une paraplégie ou d'un AVC. Et donc, l'objectif, c'est de faciliter la plasticité cérébrale et de réentraîner les patients. Donc là, en fait, il y a les mots-clés qu'on voit depuis tout à l'heure. Donc, une boucle, voilà. Une boucle par rapport à l'intention de mouvement par la pensée, donc je pense à ma main droite. Ensuite, l'appareil EEG capte cette intention et donne un retour visuel, donc vraiment un neurofeedback en temps réel de son activité cérébrale. Donc là, maintenant que vous savez ce que c'est les interfaces cerveau-ordinateur, on va passer à un sujet beaucoup plus, du coup, ergo-psychologie cognitive dans ce contexte des interfaces cerveau-ordinateur. Comment on
peut, du coup, nous, en tant qu'ergonome, psychologue, enfin tout ce qui est sciences humaines et sociales, avoir un intérêt pour améliorer ce système-là. Donc, dans mon cas, je suis vraiment insérée dans un contexte général pour savoir ce que c'est la charge mentale, qui aura du coup un impact sur le contexte un peu plus précis du CHU de Nantes, donc le contexte de la rééducation médicale. Donc, juste pour faire aussi un petit retour et vous faire participer un peu, parce que les monologues, ce n'est pas trop pour moi, est-ce que dans ce contexte, on est capable de mesurer la charge mentale? Et tout d'abord, est-ce que vous avez déjà entendu parler de charge mentale, de la charge mentale, que ce soit dans les médias, les réseaux sociaux, les journaux, la télé, ou alors dans votre vie privée peut-être? Donc, n'hésitez pas à commenter et on me fera les retours en temps réel. Bien entendu, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein, c'était comme la question de tout à l'heure. On a des personnes qui me disent en avoir entendu parler, notamment en cours. Donc, j'imagine que c'est plutôt des étudiants en psychologie. D'accord. Quelqu'un me demande, est-ce que cela a un lien avec les ruminations? Les ruminations, ça peut. Ce n'est pas direct, ce n'est pas un lien direct. Dans le film Pacific Rim, je n'ai pas la référence. Pacific Rim, ok. Je n'ai pas la référence non plus, mais je la note parce que j'adore le cinéma. Je pense que vous l'avez remarqué au début de la présentation. Oui. Du coup, est-ce qu'on a d'autres retours? On a beaucoup de oui, en tout cas. Donc, ça a l'air d'être une notion que les personnes connaissent. Ça marche. Et du coup, dans les oui, est-ce qu'il y a un peu plus de précision sur où on a entendu ce concept-là de la charge mentale ou pas du tout? On a également un retour sur charge mentale chez les élèves 10. Okay. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, tout ce qui est trouble 10, dyslexie, 10 calculi, complètement. Donc, plus le secteur médical. Chez les soignants également. Tout à fait. Donc là, ces soignants, plus dans leur activité professionnelle. Donc là, on voit toutes les possibilités d'impact de la charge mentale, donc plus en tant que patient et patiente, donc dans le milieu 10 ou alors dans le secteur professionnel. On a donc chez la charge mentale des parents, la charge cognitive de travail ou celle des contrôleurs, des pilotes d'avion. Tout à fait, complètement. Donc là, c'est bien parce qu'on voit aussi encore plus toutes les possibilités en fait, où on pourrait appréhender la charge mentale, s'intéresser à la charge mentale, que ce soit le milieu professionnel, donc des métiers aéronautiques, médicaux ou autres, ou alors le milieu privé, comme ce que j'ai pu voir, la charge mentale des parents, on en parle beaucoup, et un peu plus aussi d'un parent en particulier, les mamans. C'est ce qu'on entend beaucoup actuellement dans les médias, les réseaux sociaux, la charge mentale des femmes dans le milieu personnel. Il y a eu du coup aussi des livres, des BD sortis sur ce sujet. Donc, c'est top parce qu'on a pu voir toutes et tous ensemble la panoplie de la charge mentale qui est un peu dans le langage courant et on va voir au final qu'il y a un peu un abus de langage qu'on ne devrait pas forcément parler de charge mentale mais de surcharge mentale parce qu'en soi la charge mentale c'est un mot qui est totalement neutre donc c'est ce qu'on va voir juste après. Donc, il y a eu une popularité justement de ce concept-là dans le milieu privé, dans la sphère personnelle. Et justement, on va voir qu'on devrait parler un peu plus de surcharge mentale et pas de charge mentale, parce qu'il y a trois types de charge mentale en réalité. À savoir que la charge mentale, c'est juste la capacité d'une personne à répondre aux sollicitations d'une situation. Donc, c'est complètement lié à la mémoire. Par exemple, si je dois réaliser plusieurs tâches en parallèle ou dans un temps imparti, je dois me remémorer à chaque fois de quelle tâche je dois faire. Durant la tâche, qu'est-ce que je dois faire à l'instant T et T plus 1, T plus 2 en termes de minutes. Donc, en fait, c'est l'accumulation d'informations qu'on a et qui va se retrouver en mémoire à court terme, qui a des capacités limitées, donc la mémoire à court terme qui s'oppose à la mémoire à long terme, qui est un peu notre stock illimité d'informations. La mémoire à court terme, elle a des capacités limitées. Donc du coup, dans mon quotidien, je ne peux pas traiter un certain nombre d'informations qui va surpasser mes capacités.
À savoir qu'il y a ce fameux chiffre magique 7 plus ou moins 2, mais au fur et à mesure de l'avènement des technologies, ce chiffre diminue. En fonction des cultures aussi, on aura des capacités mnésiques qui diffèrent. Mais voilà, en tout cas, ce qui est le plus important à comprendre dans la charge mentale, c'est que c'est lié à la mémoire à court terme et qu'on a des capacités limitées. Donc du coup, si tout se passe bien, ça veut dire que ce que je dois faire, toutes les stimulations de l'environnement, toutes les informations que je dois traiter à l'instant T correspondent du coup à mes capacités pour les faire, il n'y a aucun problème. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de charge mentale tout court. Donc, on rajoute aussi charge mentale dite optimale. Tout se passe bien. Par contre, et là, c'est pour ça qu'il y a cet abus de langage, si le nombre d'informations que je dois traiter dans mon environnement est beaucoup trop élevé par rapport à mes capacités de traitement, je serai surchargée d'un point de vue de la mémoire, d'un point de vue cognitif. Donc là, on parle de surcharge mentale. Et le troisième grand type de charge mentale, c'est la sous-charge mentale où, à contrario, les informations de mon environnement ne me stimulent pas, elles ne sont pas assez nombreuses et clairement, je m'ennuie. Donc là, on rencontre cette situation quand on est en train de faire la queue, quand on est vraiment spectateur inattentif parce qu'on s'ennuie, parce que ça ne nous intéresse pas. Et à savoir que ce concept-là de sous-charge mentale, il est très peu documenté dans la littérature, ce qui est assez dommage parce que ça a été prouvé, la surcharge mentale a autant un impact, la surcharge mentale est tout aussi délétère que la sous-charge mentale. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir que la charge mentale, déjà, c'est un concept qui a différents types, en fait, différentes grandes catégories, les trois grandes. Donc, la charge mentale tout court, tout se passe bien. La surcharge, je suis surchargée d'un point de vue cognitif. Et la sous-charge mentale, je m'ennuie. Donc, du coup, dans la surcharge mentale, sûrement, vous êtes fait le lien vous avez fait le lien avec la sphère professionnelle où on va parler de burn-out ou alors d'épuisement professionnel, c'est un synonyme, par surmenage. Donc là, c'est clairement des situations de surcharge mentale répétées dans le temps. Et au bout d'un moment, cette surcharge mentale quotidienne va se transformer en burn-out, on n'en peut plus. Et du coup, aussi, on va retrouver dans le secteur professionnel des situations de sous-charge mentale qui sont aussi nommées épuisement professionnel par ennui, où là, nos capacités sont sous-exploitées. Et c'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans les mises au placard. Maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est que, OK, on sait ce que c'est la charge mentale. On sait ce que c'est les interfaces cerveau-ordinateur, donc cette technologie. Et ensuite, on peut se demander, mais en fait, à quoi ça sert de mesurer la charge mentale, de s'intéresser à ce concept-là, qu'on retrouve, comme on a pu le voir et que vous l'avez et que vous avez justement dit, ce concept qu'on retrouve dans la vie privée, la sphère personnelle, professionnelle. Pourquoi on va s'intéresser à ce concept-là dans une interaction cerveau-ordinateur? Donc, cette boucle qu'on a vue avec une techno qui est capable de mesurer l'activité cérébrale en temps réel et d'avoir un retour de notre activité cérébrale à travers un écran. À quoi ça sert de mesurer la charge mentale? Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les commenter et on va me remonter les infos. Mais enfin, voilà. Est-ce que vous avez deux, trois petites idées? Vous pouvez dire non. C'est pas facile, hein, mais j'ai pris plusieurs mois pour comprendre quand je me suis intéressée à mon sujet de thèse. En quelques minutes, c'est pas simple du tout. Est-ce qu'on a des retours du coup, Lisa Océane, ou pas du tout? Alors, pas encore. Alors, on a pour éviter les accidents de travail, peut-être. Oui. Tout à fait. En fait, la charge mentale sera intéressante à mesurer dans des situations professionnelles pour justement être en prévention
de tout ce qui est accident du travail, troubles musculo-squelettiques, tout à fait. Et du coup, dans ce contexte d'interface cerveau-ordinateur qui est plus pas forcément lié à un contexte terrain professionnel, mais plus lié à tout ce qui est interface humain-machine, tout ce qui est IHM, est-ce qu'on peut avoir un intérêt, notamment, je peux vous aiguiller, dans le secteur médical? Pour éviter les erreurs, pour prendre la bonne décision? Tout à fait. Donc, pour avoir un gain au niveau des performances, complètement. Et ça peut être une des réponses et une des motivations, d'ailleurs, à mesurer la charge mentale dans la globalité, et notamment dans les interfaces cerveau-ordinateur. Est-ce qu'on a d'autres tours ou sinon on peut passer à la suite? On a pour améliorer les coopérations homme-IA, gérer les problèmes liés à l'automation. L'automatisation, oui. Ah, mais je comprends, on a le décodeur du coup. J'ai le décodeur, Lisa aussi, il n'y a pas de souci. Ok. Ça marche. Ok. Bah, du coup, complètement, on a pu voir aussi les différentes possibilités de mesurer la charge mentale avec vos retours. Hop. Donc, par rapport à mon domaine de recherche, donc, où complètement c'est à la croisée de ce que c'est la charge mentale dans un contexte IHM, donc interface humain-machine, et plus précisément les interfaces cerveau-ordinateur, qui est une sous-catégorie des IHM. Donc, l'objectif, par exemple, de mes recherches, l'objectif final, c'est d'adapter en temps réel la difficulté de tâches virtuelles à la charge mentale des personnes. Imaginez que vous êtes dans un jeu vidéo avec plusieurs niveaux de difficulté. Et si on est dans un contexte médical, on est dans cet objectif que les personnes réussissent leur rééducation. Donc, si elles sont trop surchargées pour réaliser le jeu vidéo, elles vont faire un nombre d'erreurs assez élevé et elles seront frustrées. A contrario, si les personnes s'ennuient dans un jeu vidéo, elles peuvent lâcher la rééducation qui peut durer plusieurs mois. Donc, vraiment, les enjeux pour mesurer la charge mentale et l'appréhender surtout dans les interfaces cerveau-ordinateur, c'est, vous vous souvenez, de garder la charge mentale dans cet optimal comme ça, là, la charge mentale dite optimale. Donc, en fait, toutes les informations que je reçois, je serai capable de les traiter. Donc, là, par exemple, dans ce contexte, on va mesurer la charge mentale à travers différentes techniques, sachant que la charge mentale, elle peut être mesurée à travers des techniques autodéclarées, donc par des questionnaires, par d'autres techniques objectives, par d'autres techniques, virgule, objectives, comme tout ce qui est rythme cardiaque, dilatation de la pupille. Il y a eu des papiers qui ont fait le lien charge mentale et ses indicateurs physiologiques, et aussi tout ce qui est EEG, donc vraiment la technique qu'on a vue depuis le début. Il y a des électrodes, surtout des ondes en fait spécifiques, des ondes cérébrales, où on sait que si on a ce signal-là, ça veut dire que la personne est en sous-charge ou en surcharge mentale. Donc, en fait, on est capable de mesurer en temps réel la charge mentale des personnes à travers un casque électroencéphalographique. Donc, du coup, si on immerge une personne, par exemple, vous et moi, dans un jeu vidéo, on est capable de savoir en temps réel si j'ai une surcharge mentale, si je suis en sous-charge mentale, si on nous met un petit casque EEG. Et du coup, si on est dans cet objectif d'adapter le jeu vidéo en temps réel, du coup, on est capable d'adapter la difficulté du jeu à la charge mentale des personnes. Donc, dans un contexte de rééducation, c'est primordial. Dans un contexte aussi d'apprentissage, si on essaye de faire comprendre des concepts par le jeu vidéo, par tout ce qui est gamification, donc tout ce qui est serious game, il y a des enjeux aussi à mesurer en temps réel la charge mentale pour adapter la difficulté. Donc, quand on parle de difficulté, c'est d'adapter le nombre d'informations que la personne doit traiter. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop d'informations. Mais il ne faut pas non plus qu'il y ait peu d'informations, parce que sinon, je lâche, je m'ennuie et mon attention part dans un autre endroit. Je vais sur Instagram, les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a vraiment cet enjeu de garder les personnes dans une charge mentale dite optimale.
Donc là, on a fait vraiment cette boucle entre charge mentale, les interfaces cerveau-ordinateur. Et du coup, là maintenant, vous savez ce que c'est, tout ce qui est implant cérébral, les limites aussi éthiques. Et c'est très, très important dans tous les cas, dans toute technologie, de s'intéresser à l'aspect aussi éthique. Tout ce qui est récupération des données, ce qu'on en fait, etc. Et notamment et d'autant plus pour tout ce qui est interface cerveau-ordinateur, parce que ça touche directement au cerveau. Et ensuite, comment, en tant qu'ergonome, psychologue, vraiment tout ce qui est sciences humaines et sociales, on peut améliorer, avoir un impact positif sur ces technologies-là, donc notamment en appréhendant la charge mentale et améliorer du coup des techniques de rééducation, donc ce que j'aide à travers mes recherches actuellement. Donc, si vous voulez aller plus loin, sur LinkedIn, je fais pas mal de vulgarisations scientifiques, donc que ce soit les interfaces cerveau-ordinateur, la charge mentale ou alors des concepts que je vois dans mes recherches comme les neurones miroirs. Donc, n'hésitez pas à faire un tour si vous le souhaitez, aller plus loin. Et c'était tout pour ma part. Donc, je laisse la balle à l'autre présentation. Et en attendant, est-ce que vous avez des questions, des retours? N'hésitez pas. Du coup, merci beaucoup pour cette présentation. C'était très intéressant et on a eu pas mal de retours. D'accord. Donc, dans les premières questions qui reviennent, on a « Y a-t-il un risque de piratage du système qui pourrait amener des risques chez les personnes qui dépendent de ce dispositif ?» Ah, complètement. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment des questions de cybersécurité qui sont super importantes dans toute technologie qui va prendre nos informations, hein, donc que ce soit téléphone portable, ordinateur, etc. Et les interfaces cerveau-ordinateur, il y a des risques qui sont décuplés. Totalement, totalement. Là, comme actuellement, les interfaces cerveau-ordinateur restent dans le champ ou de la recherche ou dans le milieu médical, il n'y a aucun intérêt pour des hackers à pirater le cerveau d'un tétraplégique. Enfin, il n'y a aucun intérêt d'un point de vue financier ou autre. Mais complètement, là, il y a pas mal d'entreprises justement qui veulent étendre la mainmise sur ces neurotechnologies. Et si ça tombe dans le champ du grand public, là, la cybersécurité, il y aura vraiment de forts enjeux. Déjà, là, actuellement, il y a pas mal de problèmes. Enfin, il faut légiférer. Les législations ne sont pas encore prêtes pour les neurotechnologies. Donc, non, il y a complètement, par rapport à votre question, il y a des risques de hacking assez importants. Tout à fait. Alors, je vous rappelle juste qu'il y a un lien dans la description pour pouvoir voter pour les réponses ou les questions qui vous paraissent les plus intéressantes. Et d'ailleurs, dans ces questions, on en a plusieurs qui sont revenues. Par rapport à la charge mentale, est-ce que c'est un peu comme le concept de « bore out » ou « burn out » ? Oui, tout à fait, complètement. Et est-ce que vous pouvez expliciter ces termes, peut-être pour les personnes qui ne les comprennent pas ? Alors, du coup, le burn out, c'est vraiment de la surcharge mentale répétée dans le temps. Et ensuite, il y a le « burn out ». C'est le contraire, si je ne dis pas de bêtises, où là, c'est de la sous-charge répétée dans le temps. Donc, répétée dans le temps, donc quotidiennement, que ce soit dans le champ professionnel ou le champ personnel. C'est pour ça que c'est très juste quand on parle de surcharge mentale dans le milieu personnel, parce que c'est, ou de sous-charge mentale, qui aboutissent au burn-out, et ou des deux. Hein. Ça veut dire, ça peut être une accumulation de burn-out professionnel suivi d'accumulation d'informations à gérer, à traiter dans le milieu personnel. Et ou le contraire. Hein. Et le contraire, donc le burn-out peut être tout aussi délétère que le burn-out, la surcharge mentale. Sinon, on a une personne qui nous demande, pour calculer une surcharge mentale, encore faut-il avoir une idée de la valeur de la charge mentale ? Maximum. Alors, juste, comment calculer la surcharge mentale, c'est ça ? Est-ce qu'on a une idée de la valeur de la charge maximale pour calculer une surcharge mentale ? Alors oui, en fait, le concept de charge mentale, c'est comme tout concept en psychologie, sciences humaines et sociales. Il y a des différences interindividuelles très fortes.
pour une même situation, je vais ressentir une surcharge mentale et d'autres vont être dans une charge mentale dite optimale. Donc, du coup, on ne peut pas avoir un chiffre en disant « Ok, 80 sur 100 », en se basant sur un questionnaire, on est en surcharge mentale et ça, c'est pour l'ensemble de la population. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme d'autres concepts ou d'autres mesures comme la température. On sait que si on est au-delà de 40, on a la fièvre. Pour le concept de charge mentale et tout concept en psychologie, il n'y a pas de valeur fixe, un seuil où on dit « Ok, on bascule en surcharge mentale » et ça, c'est pour toutes les couches de la population, toutes les différences inter-individuelles. Ce n'est pas possible. Maintenant, pour un individu, on peut avoir une baseline de la charge mentale, donc savoir quelle est sa charge mentale dite optimale et ensuite la comparer avec des situations où on sait qu'elle est, on sait que ces situations vont générer une surcharge mentale ou alors une sous-charge mentale et dire ok, bah, dans ces situations, en comparaison de la situation de baseline, bah, la personne elle est en surcharge ou en sous-charge. À savoir qu'on est capable d'avoir même des chiffres pour appréhender la charge mentale, donc en sous-charge, charge mentale optimale ou en surcharge, à travers des questionnaires qui ont été standardisés, donc qui ont été validés dans la littérature et qui ont été usités, utilisés par une panoplie de scientifiques. Donc pour la charge mentale, c'est le questionnaire, le fameux NASA TLX, sachant qu'il y a une version encore plus courte où en 6 questions, on est capable de déterminer la charge mentale, donc de 0 à 100, quel est le niveau de la charge mentale dans la réalisation d'une tâche au quotidien ou d'un point de vue professionnel. Voilà. Juste pour répondre, il y a des différences interindividuelles tellement fortes qu'on ne peut pas avoir une valeur seuil comme la température. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est pour tous les concepts en psycho. Alors, une autre question. Pourquoi le choix de l'EEG plutôt que de celui d'un autre indicateur physiologique ? Alors, c'est une très bonne question. Justement, les interfaces cerveau-ordinateur, pour mesurer la charge mentale, il y a cette possibilité-là, donc avec l'EEG ou avec d'autres techniques comme l'IRM, donc tout ce qui se base sur l'activité cérébrale. Mais de toute façon, c'est jamais à appréhender seul. En tout cas, là, par exemple, dans mes recherches, on va utiliser des questionnaires autodéclarés, donc le NASA TLX, et on va faire dialoguer ces informations issues des questionnaires avec les informations issue de l'EEG. Et ça, c'est pour toute démarche en ergonomie, en expérience utilisateur. Le plus important, c'est de faire croiser, de faire dialoguer les données et différents types de données, des données dites subjectives à travers des questionnaires et des données dites objectives à travers de l'EEG, par exemple, donc de l'électroencéphalographie. Dans le contexte qui est le mien, on a préféré l'EEG parce qu'il y a déjà cette interaction qu'on voulait avec l'interface cerveau-ordinateur. Parce qu'on est dans un contexte de rééducation où on a besoin de savoir ce qui se passe quand la personne est en train de penser à son mouvement. Donc, en fait, on appréhende des données déjà cérébrales de manière électrique. Donc, déjà, comme on a ce contexte d'interface cerveau-ordinateur à travers la pensée, donc si on rajoute une autre analyse de l'EEG à travers le prisme de la charge mentale, on était déjà dans ce contexte-là. Après, c'est vrai que la question, ça allait être pourquoi utiliser de l'EEG comme ça pour une tâche où on n'avait pas besoin déjà d'immerger les personnes, en tout cas de mettre les personnes sous un casque. Là, ça allait être un peu plus argumenté. Enfin, il faut vraiment argumenter toutes les techniques, sachant que comme on l'a vu, l'EEG, c'est des électrodes qu'on pose une à une avec un gel, etc. Donc, c'est quand même assez lourd d'un point de vue expérience utilisateur dans la préparation. Donc, du coup, là, nous, c'est justifié parce que dans tous les cas, on était dans un contexte d'interface cerveau-ordinateur. Et là, on a rajouté, en fait, juste une manière de voir les données. Mais dans tous les cas, les personnes allaient être immergées en réalité virtuelle avec ce casque-là, avec ce casque EEG.
Donc, du coup, c'était tout bénef, entre guillemets. Après, c'est vrai que dans nos recherches, avec l'équipe, on s'est dit, est-ce qu'on rajoute un autre indicateur physiologique comme le rythme cardiaque? Mais après, à un moment, ça fait trop, quoi. Déjà que les personnes sont avec un casque EEG, elles remplissent des questionnaires de NasaTLX, elles réalisent un certain nombre de tâches cognitives. Si ensuite on rajoute un autre indicateur physiologique, c'est bon. Non. Ça fait trop d'un point de vue aussi humain. C'est important, sachant qu'on a des parcours en psychologie, en sciences humaines et sociales. Il faut quand même penser aux participants et participantes sous les casques et la recherche à un moment. C'est un juste milieu. Alors, on a notre deuxième intervenant qui a plusieurs questions. Notamment, as-tu besoin d'algo de fusion de données pour calculer un indice de charge à partir de plusieurs capteurs? Oui, complètement. Enfin, on se base forcément sur de l'intelligence artificielle, du machine learning pour vraiment interpréter les données EEG. C'est vraiment tout ce qui est interprétation. Dans la boucle, il y a la captation des données EEG et ensuite, dès que c'est interprétation des données, c'est vraiment issu du machine learning. Je ne sais pas si je réponds à la question. Je pense. Et d'ailleurs, il demande, est-ce que tu aurais des refs de validation de la NasaTLX, de LISA et des refs sur les algos? Oui, tout à fait, complètement. Par rapport à la partie NasaTLX, j'en ai plein. Parce que du coup, c'est clairement dans mon domaine, tout ce qui est psycho-ergo. Et pour les algos de classification, oui, j'en ai un peu moins, parce que c'est moins mon domaine applicatif, mais comme je travaille dans ce secteur, oui. Mais je peux te les donner, oui, te les transmettre. Et enfin, dernière question, est-ce qu'on mesure vraiment la même chose entre mesures physio et mesures subjectives? Comment faire lorsque les différents indicateurs ne donnent pas le même résultat? Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est quand les données se contredisent, de comprendre pourquoi une personne, par exemple, va ressentir de la surcharge mentale. Donc, avec un questionnaire, va mettre 100 sur 100 de surcharge mentale, mais d'un point de vue physiologique, que ce soit la donnée cardiaque ou d'un point de vue EEG, donc avec l'activité cérébrale, on voit au contraire de la sous-charge mentale. Donc, essayer de comprendre pourquoi, donc quand deux données se contredisent, et ensuite, dans tous les cas, avec la charge mentale, mais aussi tous les concepts en psycho, il y a toujours une troisième donnée. Là, dans notre cas, c'est les performances. On sait dans la littérature et même instinctivement que si j'ai une charge mentale qui augmente, donc je m'approche de la surcharge mentale, mes performances vont diminuer. Donc du coup, il y a un lien entre charge mentale, ce concept-là, et les performances. Si ensuite on voit que la personne a mis 100 sur 100 d'un point de vue subjectif, donc vraiment à travers le questionnaire, donc, on sait qu'il y a cette corrélation, donc ça va dans le même sens que les données de performance. Et là, au niveau de l'EEG, on voit que c'est tout le contraire. Donc là, on va plus s'intéresser au fait que peut-être c'est un problème au niveau des algorithmes de classification de l'EEG. Voir si c'est pour cette personne, voir si ça se réplique pour l'ensemble des participants et participantes, voir si c'était nous, si c'est un problème technique ou pas, et si ça n'allait pas, comprendre. Et c'est ça qui est tout aussi intéressant, c'est de voir quand il y a des contradictions, quand nos hypothèses sont infirmées, qu'on pose des hypothèses, ce n'est pas forcément pour les valider et les confirmer, c'est justement de se laisser surprendre par les résultats et l'analyse des résultats. Mais c'est pour ça que c'est d'autant plus important de croiser les données subjectives de performance et des données objectives, sachant que les données de performance et les données objectives aussi. Voilà, mais pas physiologiques. Merci beaucoup pour tes réponses et pour ta présentation. Je vais te laisser arrêter le passage d'écran et on va passer au deuxième intervenant qui a déjà participé et je le remercie à travers les questions. Merci à vous, les filles. Super. Et du coup, on se retrouve à la fin pour une table ronde. Et donc, bonjour Gilles, est-ce que ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Je vais essayer de retrouver ma présentation. Et de vous afficher ça. Est-ce que ça marche ou est-ce que c'est notre présentateur qui a pris le dessus? Non. Oui. On voit un diapo, tu n'es pas en plein écran par contre, mais... C'est notre présentateur qui a pris le dessus.
Non. J'arrive pas à voir en fait le. En fait, ça charge, d'après ce qu'on voit. Bon, on va commencer comme ça. Ouais, on a une barre de chargement et ça reste sur réalité virtuelle. Pour toi, qu'est-ce que tu vois? Ah, je vois mon plan, je suis passé à la deuxième slide, je vois mon plan et mon... Ouais, non, on est resté bloqué sur réalité virtuelle. Est-ce que tu peux arrêter le partage d'écran et le recommencer peut-être? Ouais. Alors, allez, je vais changer un truc. Ah, ça a l'air de mieux fonctionner. On a le plan et les objectifs. OK. Donc, je vais recommencer par me présenter rapidement. Donc, Gilles Devreux, je suis consultant chez Human Design Group depuis quelques années maintenant. Avant ça, donc j'ai eu un parcours, une licence en psychologie, un master en sciences cognitives, quelques années après, un deuxième master en psychodésapprentissage. Et j'ai enchaîné sur une thèse qui avait pour objectif de participer à la construction d'un serious game qui visait à favoriser la communication au bloc opératoire, donc entre les chirurgiens, les anesthésistes et les infirmiers. Voilà, et donc à travers ça, j'avais commencé à aborder des problématiques de prise de conscience de la situation, de charge de travail également, et de transmission de l'information. Donc finalement, ces grandes thématiques dont vous avez déjà entendu parler, notamment sur la charge de travail, là vous pouvez plus dire le contraire, sont transverses en fait à différents domaines comme le contrôle en centrale nucléaire, le contrôle aérien, les pilotes d'avion, voilà, etc. Il y en a d'autres. Et donc je suis passé en tant que consultant pour Airbus au sein de Human Design Group pour appliquer à peu près les mêmes méthodes que j'ai utilisées durant ma thèse. Voilà, donc ça c'était une petite partie comment je suis arrivé à HDG, et aujourd'hui donc je vais vous parler plutôt de réalité virtuelle. Donc c'est finalement un deuxième projet auquel je participe chez Human Design Group. On commence à développer une plateforme que je vous présenterai à travers cette présentation. Voilà, donc je vais commencer par définir un petit peu ce qu'est la réalité virtuelle. Vous le savez tous probablement, c'est probablement des définitions ou des taxonomies en tout cas dont vous avez déjà entendu parler. Et ensuite, je vais vous présenter ce fameux projet. Et en fait, à travers ce projet, j'ai essayé de dégager deux parties. Oups là, voilà. En fait, on peut avoir la réalité virtuelle qui va être un outil pour l'ergonome, et on peut avoir la réalité virtuelle qui va être un objet d'étude pour l'ergonome. Donc voilà, je donne des exemples. Je ne suis pas du tout exhaustif sur l'ensemble des thématiques qui touchent la réalité virtuelle. On pourra en discuter après sans aucun problème. Voilà. Quand on parle de réalité virtuelle, en fait, il y a également plein d'autres types de réalité. On a un continuum qui est assez un continuum de réalité en fait, qui est assez connu, le continuum de Milgram, qui distingue en fait différents types d'environnement entre l'environnement réel et l'environnement virtuel. Et on commence déjà à avoir donc la réalité augmentée
qui est très proche de l'environnement réel, donc qui est un environnement réel avec des apports du numérique. On va passer sur le continuum à quelque chose qui est de plus en plus virtuel. On va avoir la virtualité augmentée. Je vous donnerai quelques exemples dans deux slides. Enfin, je vous donnerai un exemple dans deux slides. Où là, on a une grande part de réalité virtuelle avec un apport de la réalité réelle, de la réalité physique. Voilà. Et après, on finit dans un environnement virtuel, complètement virtuel. Donc ça commence à dater un petit peu. Il y a d'autres taxonomies qui regroupent en fait plusieurs types de réalités et qui font des paquets de réalités. Donc en fait l'ensemble de toutes ces réalités, on va appeler ça la réalité médiée. Dans la réalité médiée, l'une des premières réalités qu'on trouve, c'est la réalité diminuée, dont finalement moi-même j'en avais pas vraiment entendu parler jusque-là, et qui est, j'en présenterai un exemple la slide d'après, finalement assez proche de la réalité augmentée. Ensuite, on va avoir dans ce petit groupe tout ce qui est réalité étendue. Donc ça, on entend pas mal parler de réalité étendue, de XR. La XR contient la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ensuite, on a ce qu'on va appeler la réalité mixte. Et la réalité mixte, elle, contient la réalité augmentée et la virtualité augmentée. Donc, pour donner un exemple de réalité diminuée, donc là, c'est un live, en fait, ce qu'on peut faire soit à travers un smartphone, soit effectivement à travers, principalement à travers un smartphone, c'est supprimer finalement des objets du réel sur une interface. Alors, c'est pas de l'édition de photos, c'est vraiment on filme notre environnement. Et on peut supprimer des éléments de notre environnement. Donc, on a le rendu sur notre smartphone, par exemple, de notre environnement, moins des éléments. Et du coup, bon, ça a des applications, par exemple, pour l'aménagement d'appartements, l'aménagement de maisons, tout ça. Si on veut se rendre compte placer un nouveau meuble, par exemple, dans un environnement et effacer le meuble présent. Donc en fait, c'est pour moi assez complémentaire la réalité diminuée de la réalité augmentée. C'est deux facettes d'un même outil. Voilà, la virtualité augmentée, ce qui n'est pas forcément non plus évident. Donc là, on est plongé dans un environnement virtuel. Mais on a accès à des éléments du physique. Donc on a plusieurs manières d'accéder à ces éléments du physique. On peut avoir un véritable élément physique. Donc là, sur la photo à droite, on a quelqu'un qui est immergé dans une simulation d'avion et qui tient dans ses mains une plaque de plexiglas. Sur lequel on voit un petit tracker, un Vive tracker que j'ai mis en photo à gauche. Et donc ce Vive tracker est reconnu par le système de réalité virtuelle et permet de traquer des objets du réel. Et donc on voit dans l'écran derrière la personne un écran qui contient un élément d'un outil de calibration pour des mesures de charge de travail, on se rejoint, donc qui est la MATB, qui permet de calibrer notamment, de créer une baseline pour l'outil de NASA TX, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, donc l'idée de, j'en reparlerai un peu après, mais l'idée de cette démonstration, c'était de concevoir un nouvel environnement de cockpit en déplaçant des écrans. Donc on a conçu un environnement de cockpit et on a donné accès
à des éléments physiques pour que la personne puisse réellement déplacer des objets dans son cockpit et que ça ait un impact dans son environnement virtuel. On a quelque chose dont je parlerai beaucoup moins parce que jamais utilisé en vrai, mais j'aimerais beaucoup, c'est les gants à retour haptique. Donc là, il n'y a pas vraiment d'objet physique, mais il y a la sensation d'un objet physique. Donc il y a déjà une première question finalement, qu'est-ce qu'un objet physique ? Ça peut être un objet ayant une représentation visuelle dans le monde réel, donc il est tangible. Ça peut être un objet ayant une représentation visuelle dans le monde numérique que l'on peut toucher, sentir dans le monde réel, donc il est attrapable et tangible. Et ça peut être un objet ayant une représentation visuelle dans le monde numérique que l'on ne peut pas toucher ni sentir dans le monde réel. Donc ceux-là, on peut les attraper à travers ces outils de retour haptique. Donc je présente là le gant, il y a d'autres systèmes. J'ai vu dans un papier un système avec des ultrasons envoyés sur une plaque et qui permettent de mapper finalement les contours d'un objet. Donc quand on ne voit pas l'objet, l'illusion n'est pas très présente. Par contre, quand on est immergé dans un casque, qu'on voit l'objet et qu'on a en plus la sensation de résistance, l'immersion, l'illusion est assez efficace. Voilà, donc... ah oui, mais vous voyez en fait le... Ça, là, sur, donc une petite définition de la réalité virtuelle. Donc, elle a pour but de rendre une expérience sensorimotrice et une activité cognitive pour une personne dans un monde artificiel créé numériquement, qui peut être imaginaire ou symbolique, ou une simulation de certains aspects du monde réel. Donc, on va pouvoir avoir représenté plus ou moins fidèlement un environnement. Ça va être très intéressant dans les simulations d'apprentissage, par exemple, pour apprendre à un opérateur sur une chaîne de maintenance à manipuler des outils qui peuvent être très coûteux. Du coup, la réalité virtuelle aura un énorme avantage puisqu'il donnera accès à des simulateurs à bas coût. Voilà. Par contre, il n'est peut-être pas nécessaire à chaque fois de représenter fidèlement l'ensemble de la situation. Donc pour ça, on va pouvoir utiliser des mondes symboliques. Donc là, par exemple, c'est un peu l'idée des serious games derrière, c'est d'avoir une métaphore finalement de notre activité. Qu'est-ce que comme exemple dans le serious game sur lequel j'avais participé durant ma thèse, on simulait des échanges d'informations à travers l'envoi de bulles d'informations. Donc c'était une espèce de ping-pong informationnel. Dans la réalité, on ne s'envoie pas des bulles d'informations, on communique par la voix. Donc voilà, c'est une première métaphore de la communication. Et enfin, on peut avoir effectivement un monde complètement imaginaire. Donc là, ce serait peut-être plus pour du divertissement, la présentation d'œuvres artistiques ou voilà le jeu, etc. Cela était vraiment intéressant. On a donc dans le rang des définitions une définition fonctionnelle. Donc c'est la réalité virtuelle qui permet de se sortir de la réalité physique et de pouvoir manipuler le temps, le lieu et les types d'interactions. Les définitions techniques, je ne vais peut-être pas trop insister dessus. Donc c'est utiliser l'informatique et les interfaces comportementales pour simuler un monde virtuel qui contient des entités 3D qui interagissent en temps réel. Ça, c'est aussi un apport de l'environnement virtuel plus que de la réalité virtuelle. Voilà. Et encore, effectivement, en utilisant les voies sensorimotrices. Donc pour conclure là-dessus, et l'un des principes fondateurs mais important dans la
dans la réalité virtuelle, c'est les boucles de perception-action. Donc, dans toute application de réalité virtuelle, la personne est immergée et interagit avec un environnement virtuel. Et donc, il perçoit, il décide, il agit dans cet environnement. Donc, c'est ce qu'on appelle la boucle de perception-décision-action. Voilà, qui est un principe en psychocognitif que vous avez probablement dû voir également. Voilà, donc je vais, on va passer à la partie finalement sur la où je vais présenter le projet sur lequel j'ai travaillé, donc en deux parties, avec une partie où j'essaye de la présenter sous l'axe l'AVR au service de l'ergonome. Donc ce projet, il y aura quelques illustrations dans les slides suivantes, il permet de faciliter les cycles de conception et d'évaluation d'un environnement de travail, donc un cockpit, une salle de contrôle, un aérogare, etc. Ça c'est j'ai donné les axes qu'on a travaillé, mais il y en a on peut avoir plein d'autres axes, plein d'autres types d'environnements, à travers l'usage des outils de réalité mixte. Alors en vrai pour l'instant, plutôt réalité virtuelle, mais dans nos prochaines avancées, on espère utiliser les outils de la réalité mixte. Et donc, on a une partie de ces outils qui est dédiée à la co-conception d'un environnement, donc à l'analyse de l'activité, à la conception IHM, à l'assemblage d'environnements 3D, et une autre partie qui est donc qui concerne l'évaluation de ces environnements, donc de la préparation d'expérimentation, à la passation, à l'analyse de données. Voilà, donc trois exemples d'usage, trois cas d'usage dont on a mis en place cette plateforme. Donc un cas d'usage automobile. Alors j'ai plus vraiment, j'ai pas retrouvé les bonnes oups, voilà, captures. Mais en gros, dans ce premier cas d'usage, on avait pris l'exemple d'un constructeur automobile qui voulait remplacer ses rétroviseurs par des écrans reliés à des caméras à l'arrière. Donc, on avait une première salle de conception. On pouvait prendre des objets, pour le coup, 100% virtuels et les placer sur notre cockpit, de notre habitacle de voiture, là où on voulait. Et l'idée, c'était de comparer donc un design A à un design B, donc un placement de rétroviseur A à un placement de rétroviseur B, pour voir quel était le plus optimal. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on met nos designs en situation, donc on a créé un circuit et on a mesuré, on a des observables. Donc le comportement du participant, le feedback du participant, mais également on a commencé à utiliser des capteurs d'activité électrodermale, d'activité électrocardiaque, pour tout ça, pour mesurer, alors dans un premier temps c'était le stress surtout des participants au volant. On a fait également, je crois, en utilisant cet environnement, des premières mesures de charge mentale pour voir si le placement des écrans et donc l'accès à l'information finalement devait être perçue dans les rétroviseurs avait un impact sur la charge du participant. Un deuxième cas d'usage, c'était dans le monde aéronautique. Donc celui-là, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc on avait vraiment une belle plateforme qu'on a présentée au Bourget. On avait des plateformes un peu plus light pour pouvoir présenter à différents endroits et qu'elles soient transportables facilement. Le même principe. On a un endroit, une salle où on peut concevoir notre environnement. Donc, pour le coup, c'est le participant lui-même peut proposer des designs. Un scénario pour tester ces environnements. L'apport de cette deuxième version, c'était, donc j'en ai parlé tout à l'heure, l'ajout d'éléments tangibles dans l'environnement. Le troisième cas d'usage, c'était l'aménagement de salle. Donc aménagement de salle de contrôle ou aménagement d'aérogare.
Donc placer une borne au bon endroit dans un hangar. Là, l'apport, alors ça se voit pas très bien sur la capture que j'ai pris, mais c'est qu'on pouvait être à plusieurs en fait, de même différents sites physiques, mais dans un même site virtuel. Donc là, on commence à aborder les problématiques de collaboration. Donc sur la partie conception, qu'est-ce que ça implique, c'est qu'on a voilà, il faut d'abord pour concevoir un environnement, modéliser cet environnement, modéliser les tâches, allouer des tâches au système qui serait donc à l'environnement, aux entités 3D de l'environnement, et des tâches aux participants. Créer les IHM et les implémenter directement dans l'environnement. Donc ça, on a un outil qui permet de faire ça assez simplement. Vous avez probablement dans votre cursus entendu parler de Axure, Adobe XD, qui sont des outils de prototypage d'interface. Donc on peut les utiliser et avoir notre interface directement disponible dans notre environnement 3D. Ensuite, on travaille également sur une bibliothèque d'objets. Donc on va avoir différents éléments 3D disponibles qu'on va pouvoir aménager, manipuler pour créer les designs qu'on veut dans notre environnement. Enfin, on va donc en deuxième partie pouvoir évaluer notre environnement. Donc on développe une petite interface, donc c'est juste un prototype de l'interface. On peut voir le point de vue des différents participants. L'évaluation. On va avoir également des mesures de paramètres physio, donc pour évaluer du stress, pour évaluer de la charge mentale. Donc on peut ajouter en fait, et ça se retrouve dans beaucoup de recherches, beaucoup d'études utilisant un casque de réalité virtuelle, des capteurs physio associés. Il y a même des casques maintenant qui intègrent directement ces capteurs. Le HTC Vive Pro Eye intègre un eye tracker. Le Omnicep de HP intègre un ECG également, donc un électrocardiogramme. Et tout ça va nous permettre de recueillir des comportements et des données lors de l'usage de ces scènes. On va avoir également des questionnaires, la possibilité d'intégrer des questionnaires directement dans l'environnement pour que les personnes puissent donner du feedback. Et on va avoir un outil qui nous permet de rejouer cette scène, ce qui va être assez intéressant pour l'ergonome, qui va pouvoir analyser la scène a posteriori et ce qui s'est passé dans la scène sous différents angles. Voilà. Et donc, tout cet environnement, et il faut quand même le designer. Et donc là, on va passer finalement à la partie l'ergonome pour la réalité virtuelle. Donc en fait, on va avoir besoin d'émettre des recommandations de design pour designer ces environnements virtuels. Donc là, il y en a plein. J'en ai donné quelques-uns en exemple, mais donc certains sont issus des recommandations qu'on peut trouver sur des IHM classiques, comme les feedbacks sur les interactions. Certains vont évoluer comme les contrôleurs de sélection. Là, j'ai mis en exemple un choix, par exemple, entre ce qu'on va appeler le leap motion, donc le tracking des mains. Donc, on a des caméras frontales sur les casques qui sont capables de reconnaître le mouvement des mains et en produisant certains gestes, de créer des interactions. Ou alors, on a le mode contrôleur. Donc là, j'ai mis un contrôle, une manette de HTC Vive, donc qui nous permet, par exemple, de sélectionner des éléments de l'environnement, peut-être à distance. Donc voilà, il y a des choix en fait à faire, il y a des choix de design selon l'environnement qu'on veut designer. Voilà, donc là, j'ai mis un petit extrait d'une table de recommandations que l'un de vos collaborateurs de master
a effectué lors de son stage Human Design Group. Donc, il y en a plein. Et il n'y a pas de standard, en fait, sur ces recommandations. Donc, il y a un énorme travail, en fait, à faire de la part des ergonomes sur les recommandations de design d'un environnement en réalité virtuelle. Il y a plusieurs sources. Les praticiens émettent des recommandations, les designers émettent des recommandations, les constructeurs tels que Oculus, Microsoft émettent des recommandations. Et zut, j'ai mis deux fois constructeur. Et le deuxième constructeur n'est pas un constructeur du tout, mais ce sont les scientifiques, la recherche, émettent également, à travers leurs articles, plein de recommandations qui sont à prendre en compte. Voilà, j'ai rajouté ça aussi, parce qu'on parlait de Light Tracker tout à l'heure. Hop là. Ouais, le Light Tracker, dans ce cas-là, était utilisé surtout pour de la pupillométrie. Donc la mesure de la dilatation de la pupille pour mesurer l'effet de la charge mentale. Donc dans l'usage ici de l'eye tracker, c'est vraiment recueillir des données sur le comportement du participant. On a aussi effectivement la possibilité de voir, nous en tant qu'observateurs, quel élément il perçoit dans son environnement virtuel. Mais l'eye tracker peut avoir un autre avantage, c'est qu'il peut être lui aussi un contrôleur. Il peut permettre de sélectionner des éléments de l'interface. Alors, il y a tout un design à voir pour éviter les sélections involontaires, par exemple, parce que le contrôle oculaire est peut-être pas aussi simple que le contrôle moteur. Il permet également de reproduire des expressions et de les reproduire sur les avatars, ce qui va faciliter les communications quand on est plusieurs dans un même environnement virtuel. Donc là, j'ai parlé de l'eye tracker, mais on a aussi le lip tracking, le tracking des lèvres qui commence à s'utiliser dans la réalité virtuelle et qui permet également de reproduire les émotions sur un avatar. Hop là, donc ça c'était sur la partie design, l'intérêt des ergonomes pour la VR, et je vais aborder un deuxième champ où là les ergonomes ont aussi un intérêt à travailler sur des problématiques de réalité virtuelle. Vous en avez sûrement entendu parler, probablement même vécu, si vous avez déjà utilisé un casque de réalité virtuelle, c'est les cybermalaises, la cyber sickness. Donc ce sont un ensemble de phénomènes désagréables résultant de l'utilisation de la réalité virtuelle. Alors, c'est vrai que là, je l'ai casé sur la réalité virtuelle, mais c'est vrai aussi la cybercinétose peut aussi apparaître dans un simulateur de conduite, par exemple. Bref. Donc, il peut survenir pendant l'utilisation, mais il peut survenir a posteriori également, dans les heures ou les jours qui suivent. Et donc, il faut faire vachement attention à ça. Et alors, quand on parle de cyber sickness, on a tout de suite l'idée, donc on connaît un peu le concept, des nausées et des malaises. Mais finalement, il n'y a pas que ça. Y a les maux de tête aussi sont considérés comme des cybermalaises, les vertiges et la fatigue visuelle. Et donc, voilà, on va avoir des sets, donc hop là, pardon. Donc à quoi c'est dû, en fait, c'est à quoi ça peut être dû ces effets. Donc déjà, ça c'est à identifier. C'est aussi le travail d'un ergonome d'identifier les causes de ces effets. Donc ça peut être dû à la fréquence d'affichage. Il faut une fréquence d'affichage élevée, suffisamment élevée pour avoir une fluidité dans le l'évolution de l'environnement qu'on est en train de percevoir, le poids du casque peut avoir un impact, la distance interpupillaire, la distance entre les deux pupilles peut être réglable sur certains casques de manière plus ou moins automatique maintenant.
Et si elle est mal réglée, elle peut générer de la fatigue visuelle. Le délai entre une interaction et l'affichage dans le monde virtuel, donc finalement le délai entre mon action et la perception de mon action. Donc là, on avait déduit à travers nos pratiques que 20 millisecondes maximum était le délai maximum avant qu'on génère vraiment du cybermalaise. L'incohérence visio-vestibulaire, donc là, c'est ce qu'on peut recevoir, percevoir également dans les sur les simulateurs, par exemple automobiles, c'est le décalage entre ce que moi je perçois et ce que mon corps va percevoir, le décalage entre la perception et la proprioception, par exemple. Les conflits d'accommodation vergence. Du coup, oui, là, c'est quand on va avoir des écrans qui vont être très proches de nous et finalement la perception d'objets qui vont être très lointains dans l'environnement. Et on va avoir des effets sur l'accommodation si les objets est-ce que vous pouvez me faire un retour si vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Ok, super. hop là. Donc, les conflits à accommodation. Donc, ça, c'est à prendre en compte pour éviter la fatigue visuelle. Donc, on peut émettre des recommandations déjà sur les pratiques. Être accompagné durant la session pour détecter et intervenir en cas de cybermalaise, terminer la session dès les premiers symptômes, faire des pauses au début pour limiter les problèmes liés à la désorientation. Un truc moins évident, rester au calme et sans activité sur une durée égale finalement au temps d'exposition. Etc. Voilà, je vais essayer d'aller un peu plus vite. On peut en mettre en place des éléments de design pour réduire ces cybermalaises. Modéliser les mains pour renforcer la sensation d'immersion, flouter l'arrière-plan pourra permettre de réduire les problèmes de fatigue visuelle, d'accommodation. Etc. On a par exemple lors des déplacements. Réduire le champ visuel ou afficher un écran noir au moment d'une télétransportation pour se déplacer. Effectivement, dans un environnement virtuel, on peut soit se déplacer normalement, soit se déplacer par téléportation. Ce sont deux modes très courants en VR. Voilà. Et j'ai bientôt terminé. Du coup, voilà. On a un intérêt en tant qu'ergonome à participer aux études en réalité virtuelle et à proposer des moyens de remédiation aux différentes problématiques qui émergent des applications de la réalité virtuelle. Il y a d'autres usages de la réalité virtuelle sur l'éducation, les thérapies, le divertissement. Il y a d'autres thématiques d'études que je n'ai pas présentées, la présence, la coprésence, les effets de transition et d'adaptation d'un monde à l'autre. Si j'ai fini, maintenant, si vous avez des questions, s'il y a des questions qui ont émergé sur le... Merci beaucoup pour cette présentation, c'était super intéressant. Et en effet, on a plusieurs questions. Alors, notamment, est-ce qu'à l'heure actuelle, on a trouvé le modèle idéal de design cockpit en termes d'ergonomie ou c'est plutôt quelque chose que l'on peaufine à tâtons? Oula, il y aura jamais. Là, c'était, on a vraiment pris un exemple d'un design, d'un faux design d'ailleurs, qui n'est pas du tout réaliste et qui ne permet pas de voler dans un avion. C'était juste pour mettre en valeur les fonctionnalités de la plateforme. Airbus travaille plein pot. Boeing aussi travaille plein pot sur des nouveautés de design cockpit
Il y en a plein, ça s'arrêtera jamais. Ça dépend aussi des technologies. On a plein de problématiques liées à l'autonomisation des véhicules, les voitures autonomes, les avions autonomes, tout ça. Il y a plein de problématiques qui sont liées à ça. Donc il y a énormément de boulot dans ce domaine et il n'y a pas forcément de cockpit parfait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, je pense, merci beaucoup. Sinon, est-ce que le niveau de charge mentale, sous charge ou surcharge, peut avoir un impact sur l'effet de présence ou le niveau d'immersion dans la réalité virtuelle? Bonne question. Je ne sais pas. Je ne crois pas avoir vu d'études qui ont la charge mentale et l'immersion. Une immersion forte peut avoir un impact sur la charge mentale. Si l'activité qu'on propose, si l'activité immergée qu'on propose est designée ou a des soucis d'interface quelconque et qui génère de la charge mentale. Peut-être que dans un environnement qui immerge moins ou qui a moins d'impact sur l'immersion, la charge mentale sera l'impact des activités dans cet environnement sera moins fort sur la charge mentale perçue. Du participant. C'est une hypothèse, je n'ai pas de réponse à ça. Ça peut être s'il n'y a pas de recherche, s'il n'y a pas de papier déjà dessus, ça peut être un très bon sujet de thèse. Merci de nous donner des idées. Une autre question, est-ce que c'est l'ergonomie qui est au service de la VR ou bien ce n'est pas plutôt la psychologie cognitive? Ah. Oui. Si, surtout vu mon passé de psycho, je dis plus que d'ergo, j'aurais tendance à vous répondre oui. Alors après, je ne rentrerai pas dans le débat psycho-cognitive vs ergo. Les deux sont liés. L'ergonomie met en application des principes de psycho-cognitive, que ce soit dans la VR ou dans d'autres domaines. Une autre question, à quel point les dispositifs actuels de VR génèrent des motion sickness et est-ce que l'ajout d'éléments tangibles dans l'environnement a tendance à diminuer ces effets? Alors ça dépend d'énormément de facteurs, et notamment du design de l'environnement. L'ajout d'éléments physiques va améliorer l'immersion. Dans la cybersickness, on a effectivement une problématique liée au sentiment d'immersion et le décalage qu'on peut avoir avec la réalité. Plus on est immergé, probablement moins on va avoir de décalage. Donc il y a peut-être un impact effectivement de l'immersion sur la cybersickness et à travers là, du coup, l'ajout d'éléments tangibles. Je ne saurais pas être vraiment affirmatif sur cette question. Mais voilà, c'est aussi une thématique à creuser. Dans un autre domaine, je vois par exemple que sur ton diapo, tu mets qu'on a des usages dans l'éducation et on a une personne qui me demande quels sont les réels bénéfices de la réalité virtuelle sur les apprentissages vu que son utilisation a un coût important en termes de charge cognitive. Eh bien, je ne sais pas. Ça va être souvent ma réponse, finalement. J'avais commencé à suivre une thèse, il faudrait que je rattrape les morceaux d'ailleurs, qui étudie l'engagement, l'impact de la réalité virtuelle sur l'engagement dans des tâches d'apprentissage d'une seconde langue. Peut-être que certains d'entre vous ont passé cette expé, puisqu'elle se déroule à la maison de la recherche dans votre université.
Et donc voilà, c'est des thématiques qui s'étudient effectivement. C'est l'un des problèmes, je ne l'ai pas soulevé d'ailleurs, mais l'un des problèmes de la réalité virtuelle, c'est le matériel. Le matériel est coûteux. Il est coûteux en termes de ressources également. Il demande beaucoup de ressources à être produit et il évolue très rapidement. Et donc, si on veut être profiter des nouvelles possibilités d'interaction, des nouveaux capteurs intégrés, du retour haptique, etc., il va falloir mettre la main au porte-monnaie assez souvent et la main sur les ressources pour produire ces types de matériaux, ces types de dispositifs assez souvent également. Donc, est-ce que ça vaut le coup sur des problématiques d'éducation? Pareil, une thématique à creuser. Sinon, qu'est-ce qui, dans un environnement virtuel, permet d'améliorer le sentiment de présence? Les mains. Je ne sais plus si je l'avais dit, les mains, déjà. Il y a eu quelques études sur le nez également. Modéliser le nez permettait de réduire les malaises et aussi a priori d'améliorer le sentiment de présence. Principalement sont les deux gros trucs. Alors le nez, par contre, je l'ai finalement pas vu beaucoup en application. Les mains souvent, hein. Les mains, ça change radicalement. Il y a beaucoup d'ailleurs de jeux ou d'environnements qui ne modélisent pas les manettes, mais qui traduisent les manettes par des mains. Et voilà, ça effectivement, j'ai plus les refs sous la main, littéralement, mais ça a été montré qu'effectivement, ça avait un impact sur l'immersion. Enfin, ma dernière question, on se demandait également, lorsque justement les caractéristiques de la personne qui est dans le jeu vidéo, enfin les caractéristiques de la réalité virtuelle, est-ce qu'elles doivent être adaptées à la personne, enfin aux caractéristiques de la personne dans la réalité ou pas? Du coup, pour que ça soit plus tangible éventuellement? Alors, non. C'est pas notre rôle en tant qu'ergonome d'adapter les interfaces à l'humain. Oui, évidemment, il y avait une recommandation là-dessus. Nous, on l'a pas pris, on l'a pas encore vraiment considéré. Mais dans le travail de votre collègue de mémoire, il y avait une recommandation sur adapter les interfaces et les moyens de contrôle aux caractéristiques de la personne. Notamment d'ailleurs peut-être que des moyens de contrôle variés permettent à différents types de populations d'utiliser le même dispositif. Le contrôle oculaire va permettre peut-être d'avoir accès à aux mêmes environnements, aux mêmes interactions quelqu'un qui, par exemple, quelqu'un qui n'a pas l'usage de ses mains, le contrôle oculaire lui permettra d'atteindre le même type d'interaction que quelqu'un qui a l'usage de ses mains. Est-ce que, pareil, j'ai été pas à côté de la plaque en répondant à la question? Oui, enfin, du coup, on se demandait plus au niveau, enfin, c'était pas forcément les caractéristiques des yeux, ou, enfin, dans ce sens-là, c'était plus caractéristiques physiques, en fait, enfin, par exemple, une personne, enfin, je sais pas. Par rapport à la présentation du nez ou des mains, voilà. Si c'est un nez ou des mains dans lequel il va pas se reconnaître, est-ce que ça peut avoir un impact? Ah oui, d'accord, pardon. Oui, on essaye d'avoir. Là, j'ai pas de recherche vraiment non plus sur le sujet. Je sais que dans nos pratiques, on essaye d'avoir des avatars qui soient suffisamment représentatifs de la diversité des traits humains. Pour avoir un avatar au plus proche de la représentation de la personne. On l'a pas encore développé, mais c'est dans les idées de développer un outil de personnalisation de l'avatar. Après, naïvement, ce que je me dis aussi, c'est que les jeux vidéo, par exemple,
Il y a énormément d'avatars dans les jeux vidéo et de personnalisation d'avatars dans les jeux vidéo. Et ça nous permet justement d'incarner des avatars qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques physiques que nous. Du coup, est-ce que les deux sont une bonne chose? Est-ce que effectivement l'immersion sera renforcée si on incarne un avatar qui est plus proche de nous? Est-ce qu'on aura tout autant un sentiment d'immersion si on joue le rôle d'un avatar qui est plus loin de nos caractéristiques? Pareil, idée de thèse. Merci beaucoup pour ces réponses. On va passer à la table ronde. Donc, je vais te laisser enlever ton partage d'écran et laisser Lina Estelle, si elle est disponible, revenir en caméra. Je suis là. Super. Alors, il y a plusieurs points sur lesquels vous vous êtes rejoints, parce que vous êtes tous les deux dans des technologies qui sont extrêmement intéressantes. Et donc, pour le public qui nous suit, si vous avez des questions, à nouveau, vous pouvez les mettre à travers le lien et voter pour les questions qui vous intéressent. Mais on va débuter déjà avec des questions qu'on se pose nous. Donc, par rapport, par exemple, aux images que tu as pu mettre dans ta présentation, qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui ont des visions plutôt pessimistes des technologies, comme le principe de la réalité virtuelle, qui parfois a des problèmes d'acceptabilité ou des interfaces cerveau-humain? Alors du coup, est-ce que tu veux commenter ou parce que du coup, ma technologie, elle, il y a beaucoup plus de réfractaires que la réalité virtuelle. Du coup, est-ce qu'on commence tranquillement avec la VR et ensuite Sur la VR, moi, je comprends effectivement la réfraction, notamment qu'on va avoir des personnes qui sont extrêmement sensibles aux effets de cybermalaise en réalité virtuelle. Et là, pour l'instant, à part améliorer l'organisation des séances et le design, mais on n'y est pas encore, on va avoir des personnes pour lesquelles ça ne va pas passer. Je soulevais également le petit souci de coût de ces dispositifs, et notamment le coût en termes de ressources minérales que ça peut avoir. Là aussi, il y a une problématique, on produit. Et ce type de dispositif est également coûteux. Donc là aussi, c'est des problématiques qui sont compréhensibles. L'idée, c'est de donner des arguments positifs en faveur de ces dispositifs aux personnes réfractaires, c'est ça? Là, comme ça... Il y a des intérêts sur la recherche, en tout cas, à poursuivre ce type de les investigations utilisant ce type de support, notamment sur le passage entre les différents modes de réalité et les différents modes de perception d'un environnement, de l'environnement physique et de l'environnement réel. Ça peut être un très bon support pour des recherches en psychocognitive ou en neurosciences même, et qui nous permettront d'approfondir les connaissances sur notre propre fonctionnement, en fait. Et du coup, si je peux compléter avec ma technologie qui est un peu plus, qui est plus clivante d'un point de vue sociétal, mais aussi éthiquement, que les autres types de technologies qui ne touchent pas directement au cerveau, donc tout ce qui est neurotechno. Pour les personnes réfractaires, j'en croise tout le temps, parce que je suis aussi réfractaire à cette technologie, en fait. Donc, ce que je réponds, c'est que je suis la première réfractaire à tout ce qui est neurotechnologie, si on ne s'intéresse pas à tout ce qui est champ médical, qui a juste une importance et qui a révolutionné tout ce qui est champ de l'handicap, donc ce qu'on a vu tout à l'heure,
tétraplégie, maladie de Parkinson, tout ce qui est interface cerveau-ordinateur, c'est vraiment une révolution. Mais après, dès qu'on sort de ce champ-là, il faut faire extrêmement attention, il faut aller de manière, faut aller à reculons. Parce que d'un point de vue éthique, c'est beaucoup trop dangereux. On l'a vu par rapport à une des questions de la cybersécurité. Les interfaces neuronales sont beaucoup trop sensibles, sachant qu'un système technologique à 100% sûr n'est pas possible. En ayant discuté et compris avec des personnes spécialisées en cybersécurité. Donc du coup, si on prend ce risque-là, dès qu'on sort du champ médical, c'est beaucoup trop risqué. Donc voilà, je réponds toujours en disant que je suis la première à être la plus frileuse, à être réfractaire, parce que je connais vraiment les dangers de cette technologie. Après, du coup, c'est pour ça que c'est très important de la cantonner et même de continuer les recherches, les financements dans certains domaines, comme le domaine médical ou de la recherche, et toujours dans le cadre de la recherche très cadrée de manière éthique. Non, ça, pour les BCI, ça a un impact sur la remédiation cognitive également, qui est assez important. Donc, il y a un réel intérêt aux BCI. Il y a une thématique qui monte de plus en plus dans le milieu industriel, qui était déjà très présente dans le milieu académique, c'est les comités d'éthique, de faire passer nos tests, de les soumettre à des comités d'éthique. Alors, dans le cas de l'université, ça reste assez, assez simple, je crois, à faire. Par contre, dans le milieu industriel, il faut qu'on trouve, nous, des centres qui soient capables d'évaluer nos pratiques et les tests qu'on veut mettre en place, et qui soient capables de former des comités d'éthique. Et ça, je trouve ça assez intéressant et très important comme pratique à faire évoluer. Ouais, je suis complètement en phase. Je trouve que c'est même primordial, et aussi les comités éthiques d'un point de vue du coup plus industriel, c'est important qu'ils soient indépendants des industriels. Enfin, c'est que pour éviter les conflits. C'est ça, on cherche des organismes externes en fait qui soient capables de mettre en place ces comités pour des projets industriels. Ouais, ce serait important. Alors, une autre question, ce serait est-ce que vos technologies, plutôt dans le cadre des interfaces cerveau-humain, ça va se mettre avec des personnes avec taux de handicap, mais au niveau des personnes âgées qui sont parfois plus réfractaires au niveau des technologies, est-ce que vous avez des problèmes d'acceptabilité plus profonds, que ce soit pour la réalité virtuelle? Je ne sais pas s'il y a un intérêt. On a une personne qui nous a demandé s'il y avait un intérêt de la réalité virtuelle pour l'anxiété chez les personnes âgées. Donc, je ne sais pas si c'est des études qui existent déjà et si ça soulève des problématiques particulières. Oui. J'en ai vu, j'en ai pas sous la main parce que nous on s'intéresse vraiment aux opérateurs en milieu professionnel, donc pas trop à une population de personnes âgées. Par contre, j'ai vu plusieurs vidéos, j'ai vu quelques études quand même sur l'acceptation des dispositifs de réalité virtuelle par les personnes âgées. Ça semblait finalement pas tant soulever de problèmes que ça. Pareil, il faut énormément encadrer l'usage des séances de réalité virtuelle pour pas générer du malaise et des troubles chez ces personnes. Et vous, Lina Estelle, qu'est-ce que vous en pensez de... Concernant les interfaces cerveau-ordinateur, il y a ce qu'on appelle dans la technologie et le jargon, entre guillemets, je mets des gros guillemets, de l'illettrisme BCI. Parce qu'en fait, ce n'est pas tout le monde où la technologie sera capable de détecter l'activité cérébrale. Et justement, je parle de l'illettrisme BCI parce que les populations âgées, justement, à un taux d'illettrisme un peu plus élevé. Donc déjà, c'est juste un point de vue technique. Après, les personnes âgées qui vont utiliser cette technologie, comme toute population, il y aura vraiment un travail d'explication, parce que déjà, c'est des technos qui sont très
peu répandu pour l'instant, enfin, voire très, très, très peu. Il y a des interfaces serveur-ordinateur pour le grand public, mais c'est dans le cadre de conférences, de choses qui sont tellement passives, parce qu'il y a tout ce qui est interface serveur-ordinateur passive, dites passive, qui vont juste, entre guillemets, mesurer le stress ou la charge mentale sans avoir de feedback, de retour. Donc, du coup, là, toute personne peut l'utiliser parce qu'il n'y aura pas ce côté interactif, en fait. C'est vraiment les interfaces serveur-ordinateur active où il y a cette boucle de rétroaction où là, en fait, on peut avoir des problèmes au niveau de l'utilisabilité ou de la compréhension de la techno. Mais si on pose un petit casque électroencéphalographique qui permet, entre guillemets, uniquement de mesurer la charge mentale ou le stress, où il n'y a pas d'interaction, donc du coup, là, on n'a pas un besoin de compréhension de la part des utilisatrices et utilisateurs. Ça, nous, on utilise beaucoup les moyens de mesure physio. Donc, c'est effectivement passif. On prend de la donnée, mais on n'injecte rien. C'est pas invasif. Du coup, c'est en tout cas auprès de la population professionnelle pleinement accepté. Ok, donc nous avons dès lors une petite question d'ergonomie prospective. Dans 10 ans, où est-ce que vous pensez que vos technologies seront ? Enfin, qu'est-ce que ça va donner hein, pour l'ARV ou encore les interfaces cerveau-ordinateur ? Alors du coup, je te laisse commencer. Non, vas-y. Pour ma part, ça sera une miniaturisation en fait, de la technologie. Parce que là, du coup, ce que vous avez vu à travers les vidéos, les photos, c'est un grand bonnet avec plein d'électrodes. Toutes les électrodes sont reliées à travers des fils. Il y a pas beaucoup en fait, de dispositifs portables. Donc, ça sera vraiment une miniaturisation et des dispositifs qui seront de plus en plus petits et portatifs. Après, donc ça, c'est vraiment d'un point de vue technique, évolution de la technologie. Maintenant, par rapport aux usages, les interfaces serveur-ordinateur sont tellement multiples, enfin les usages sont tellement multiples, que ce soit dans le champ médical, de la recherche et malheureusement du grand public, c'est tellement multiple que ça va créer énormément d'idées. Donc, c'est pour ça que ce sera très important après dans les 10 prochaines années pour répondre à votre question de cadrer. Et c'est la chose la plus importante pour moi de cadrer d'un point de vue législatif tout ce qui est neurotechnologie, chose qui n'est pas encore le cas actuellement. Voilà. C'est un nouveau moyen de contrôle en fait, le BCI. C'est au même titre qu'on a, donc on a les souris, clavier. C'est une nouvelle interface. Un nouveau contrôleur d'interface machine j'en parlais le l'eye tracker qui devient également un nouveau contrôleur et tout ça donc s'intègre pour l'instant sur des outils informatiques, enfin des ordinateurs, c'est dans le cadre de la recherche, dans le cadre du divertissement peut-être aussi, mais on va le voir apparaître de plus en plus dans des domaines, comme tu disais, grand public, peut-être dans les voitures. Donc de nouveaux moyens de contrôle que les moyens moteurs classiques dans les véhicules. Voilà. Après, pour la VR, pareil, la miniaturisation des dispositifs, peut-être une plus grande flexibilité à passer au travers des différents éléments du continuum des réalités, qu'on n'ait pas forcément qu'on soit pas obligé de changer de dispositif, de matériel, pour changer de réalité. Après, d'un point de vue usage, pour l'instant, la réalité virtuelle a un apport dans le milieu industriel. Il y a plusieurs jeux qui se sont développés.
J'en ai essayé pas mal au début. Et j'ai l'impression que là, ça fait quand même plus un flop. Que ça n'a pas pris tant que ça. Alors, ça n'a pas pris parce que le matériel coûte cher également. Mais finalement, on n'a pas une grande diversité non plus des jeux de réalité virtuelle. Il y a eu une petite explosion il y a quelques années, et là, alors peut-être que je suis moins, mais j'ai l'impression que ça s'est quand même un peu réduit. Et l'apport de la réalité virtuelle pour les jeux, finalement, il n'est peut-être pas aussi important. L'apport de la réalité virtuelle dans le milieu industriel, et notamment dans l'information à des systèmes complexes, là, à mon avis, ça va perdurer. Alors, dernière petite question qui vient d'un commentaire qu'on a eu par rapport au cybermalaise. On demande si on peut développer une adaptation avec l'habitude, et du coup, ma question serait pour vous deux, est-ce qu'il y a un phénomène d'apprentissage dans vos technologies et une amélioration sur... Donc, je vois déjà en lui. Ouais, ça a été pareil pour les simulateurs de voitures. Alors après, c'est plus avec mon expérience personnelle, mais j'ai pu améliorer avec le temps, j'ai pu augmenter mon temps d'exposition à ces différents dispositifs. Et au début, j'ai eu des effets, en fait, c'est assez impressionnant. On prend des habitudes, en fait, dans un monde qu'il est parfois difficile de perdre quand on change de monde. Et alors, visiblement, on prend les habitudes très rapidement quand on passe du monde réel au monde virtuel. Et on a tendance à ne plus retrouver nos anciennes habitudes quand on passe du monde virtuel au monde réel. L'un des moyens de se déplacer en réalité virtuelle, c'est donc la téléportation. On a une manette, on appuie sur un bouton, ça crée un arc de cercle qui vise un endroit du sol, on lâche le bouton, on est téléporté à ce sol, à cet endroit sur le sol. Donc, petite anecdote, la première fois qu'on a reçu le casque, on a essayé des jeux et notamment ce dispositif de téléportation. J'ai dû rester... la première fois, j'ai pu rester 20 minutes. La deuxième fois, j'ai pu rester 45 minutes dans un environnement virtuel sans avoir de mots de tête généré. Et ça devait être un soir et j'ai dû rentrer du boulot en prenant le train, donc en allant à la gare. J'avais mon smartphone dans les mains et l'irrésistible envie d'appuyer sur mon smartphone pour déplacer mes pieds. Donc voilà, on a des effets quand même de ces environnements, de ces dispositifs sur le comportement, et avec le temps d'exposition et l'habitude, ces effets diminuent. Je lâche mon smartphone maintenant et j'utilise mes pieds pour me déplacer normalement. Voilà, c'est une petite anecdote marrante, mais il y a plein d'effets comme ça. Et je trouve intéressant, et je pense que ça peut faire une transition par rapport aussi à ma technologie. Il y a des effets d'habituation. Après, dans effet d'habituation, le risque justement, c'est l'addiction de ces technologies, donc vraiment d'un point de vue psychologique, notamment je trouve avec la réalité virtuelle, parce que j'ai aussi eu des sujets de recherche dans cette technologie où il y a de forts risques d'addiction, surtout là qu'on se dirige vers une société qui est de plus en plus centrée sur cette technologie, notamment si on parle de l'actualité avec le métaverse, qui est un peu le mot boom d'actualité ces temps-ci concernant les nouvelles technologies. Et concernant après tout ce qui est interface cerveau-ordinateur, il y a un phénomène d'adaptation, d'habituation, donc c'est deux termes différents. Dans le milieu médical, par exemple, on voit qu'il y a un phénomène d'apprentissage, la courbe pour être totalement à l'aise dans l'interaction avec la technologie peut être
plus ou moins grandes, donc il y a des différences interindividuelles, mais par exemple, tout ce qui est interaction de mouvement, après, tout dépend aussi du type d'interaction. Au CHU Nantes, par exemple, on demande aux personnes de penser à son mouvement et ensuite l'avatar va réaliser le mouvement dans un environnement virtuel. Donc, il y a cette boucle de rétroaction où la personne aussi voit quelles sont les capacités de la technologie. Parce que l'avatar, il peut y avoir une latence, je pense à ma main droite, et 2 secondes plus tard, le bras bouge. Donc, en fait, il y a aussi cette interaction, que ce soit du côté de la technologie qui s'adapte aux nouveaux signaux de l'utilisateur ou l'utilisatrice. Et il y a aussi une adaptation du côté de la personne qui utilise, qui voit les capacités de la technologie. Et dès qu'ensuite, ces deux parties de l'interaction humain-machine se connaissent, ça devient de plus en plus fluide. Et voilà, je pense que c'est important aussi de s'attarder sur le côté avancé des nouvelles technologies, l'habituation et risque du coup de dépendance, donc plus les aspects délétères des nouvelles technologies. Et plus on les connaît, plus on les aime et plus justement on pointe du doigt les aspects négatifs aussi. C'est un point intéressant, en tout cas sur la VR. Je me demande si c'est la VR qui rendrait dépendant ou l'environnement virtuel développé à travers la VR. Est-ce que c'est pas l'environnement virtuel qui rendrait dépendant et ce qu'on trouverait dans cet environnement qui nous rendrait dépendant plutôt que le support? Je pense qu'il y a un peu des deux. Le côté aussi immersif, totalement immersif, qui est vraiment la caractéristique propre de la réalité virtuelle, joue sur le côté je suis coupée de mon environnement réel, physique, et je suis totalement immergée dans l'environnement virtuel. Je pense qu'il y a aussi cet effet de la techno, okay, en plus de l'environnement propre à la techno et de l'influence, oui, de l'environnement virtuel, de ce qui est représenté. Vraiment une influence des deux. Ok, ben nous arrivons dès lors au terme de notre conférence. Merci encore à vous, chers intervenants, d'avoir accepté déjà de participer à notre conférence, mais aussi de l'avoir aussi bien animée. Franchement, merci beaucoup. Merci également donc à vous, chers auditeurs, d'avoir posé vos nombreuses questions donc, qui ont rendu la conférence d'autant plus enrichissante, hein, bien sûr. Merci beaucoup à notre équipe technique qui, rappelons-le, se compose donc de nos 11 collègues de classe. C'est officiellement notre dernier travail en groupe. Donc, merci encore pour cette année et à chacun, bonne continuation. Et enfin, merci à notre équipe pédagogique de nous avoir encadrés, mais aussi conseillés pour la préparation de cette conférence. Donc voilà, nous arrivons au terme. Merci à vous. Oui. D'avoir permis cette rencontre, merci. Merci aussi à toi, Océane. Merci, Lisa. Donc voilà, merci à tous. Et puis, nous vous souhaitons une très bonne soirée et une bonne continuation. Merci également. Merci, au revoir. Merci.